شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله. Salam alaikum, je m'appelle Nicolas, le prénom musulman Abdallah. Jusqu'à mes 13 ans, j'ai envie de dire jusqu'à mes 13-14 ans, j'ai vécu une vie assez banale, un petit peu comme tout le monde. Aller à l'école. Jusqu'à l'âge de mes 13-14 ans, j'ai commencé à dévier, à être démotivé. Donc voilà, donc à mes 13-14 ans, j'étais démotivé, j'ai quitté l'école, j'ai arrêté l'école. J'avais un mauvais comportement avec mes parents. J'ai commencé à fumer des cigarettes, du cannabis, à prendre de l'alcool, différentes drogues. J'en suis devenu addict. Donc un jour, j'ai décidé de les arrêter. Je suis passé par des angoisses. J'ai eu des problèmes de nutrition, des problèmes de sommeil. Et pendant un moment, mon activité principale, c'était la marche. Et en marchant, j'ai commencé à me poser des questions. Quel est le sens, quel est le but de la vie ? Donc je me promenais, je marchais, et durant cette marche, j'ai remarqué que, en regardant des plaques d'immatriculation, mais pas sur la même voiture du moins, ça revenait sur des voitures différentes. J'ai trouvé ça bizarre, j'ai trouvé ça étonnant. Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ça? Donc je me suis intéressé aux probabilités et au hasard. Donc je me suis renseigné, j'étais sur Internet, en m'intéressant au hasard, aux probabilités. Et j'ai fait, subhanallah, pourquoi j'y ai pas pensé avant? C'est évident, c'était une évidence. L'existence d'un créateur, que nous sommes de la création, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé, qu'il a le pouvoir sur toute chose. Ça a été vraiment le premier déclic, quoi, le truc qui m'a fait l'éveil. À la suite de ça, donc ça s'est fait petit à petit, j'ai commencé à me renseigner, à prendre un Coran, à lire la traduction du sens des versets. Et ça m'a touché vraiment, ça m'a touché au cœur. Comme quoi c'était, subhanallah, c'est indescriptible, quelque chose de vraiment... quand on le lit, c'est comme si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te parle, c'est très émouvant. J'étais heureux, j'étais content, très, très content. Pour moi, quand j'ai découvert, quand j'ai entendu parler de ça, l'éveil que j'ai eu quand je suis tombé sur la série, c'est vraiment, je suis tombé sur un trésor. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? C'est plus qu'un trésor, c'est quelque chose, le but de la vie. Donc, après, la conversion, c'est plus c'est des gestes. Ce qui se passe, c'est dans le cœur. Après, les actes d'adoration, la mosquée et tout, ça, c'est des actes de foi pour dire, voilà, t'as la foi, tu veux prouver à la spatarala que t'as la foi. Ben, en fait, avec mon père, par exemple, lui, du fait que je sois musulman, ça a renforcé sa pratique religieuse, mais lui, comme il est chrétien. Donc, j'ai remarqué qu'il fait du catéchisme pour les petits, il va à l'église. Et d'ailleurs, il dit qu'il n'y a pas entre les musulmans et les chrétiens, il n'y a pas beaucoup de différence. Quelquefois, je lis avec lui des traductions du sens des versets sur Internet pour lui montrer, justement pour qu'il suive le droit chemin, l'islam, et lui montrer les dérives des chrétiens actuels par rapport au polythéisme qu'ils font,